Salut les amis de santé et divertissement, que Dieu vous bénisse. Regardez ce qui se passe quand vous buvez de l'eau sur un estomac vide. Les gens au Japon boivent généralement de l'eau juste après qu'ils se réveillent. De nombreuses études ont confirmé l'avantage de cette habitude. Cette routine du matin a un effet curatif et fournit des résultats positifs concernant différentes maladies graves. Il existe des preuves démontrant que l'eau potable sur un estomac vide peut être étonnamment utile dans le traitement de nombreuses maladies, y compris les maux de tête, les douleurs dans n'importe quelle partie du corps, les troubles et les maladies cardiovasculaires, la tachycardie, l'épilepsie, les niveaux accrus de lipides sanguins, la bronchite, l'asthme, la tuberculose, la méningite, les maladies des reins et des voies urinaires, les vomissements, la gastrite, la diarrhée, les hémorroïdes, le diabète, la constipation, les problèmes d'yeux et de vision, les maladies de l'utérus, les troubles menstruels, les maladies et les problèmes affectant les oreilles, le nez et la gorge. Méthode de traitement. Quand vous vous réveillez le matin, avant de vous brosser les dents, buvez 640 ml d'eau, 4 fois 160 ml. Brossez-vous les dents, mais ne mangez ni ne buvez quoi que ce soit les 45 minutes suivantes. Après 45 minutes, vous pouvez prendre votre petit déjeuner habituel. Après le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, ne mangez ni ne buvez quoi que ce soit les 2 heures suivantes. Les personnes âgées et les malades qui sont incapables de boire 4 verres d'eau sur un estomac vide devraient commencer avec la quantité d'eau que leur corps peut accepter, jusqu'à ce qu'ils s'habituent à la quantité recommandée, et augmenter la dose tous les jours jusqu'à ce qu'ils arrivent aux 640 ml d'eau nécessaires. Cette méthode vous aidera à soigner un problème de santé que vous pourriez avoir, et les gens en bonne santé, d'autre part, profiteront de l'énergie que cette routine fournit. Combien de jours le traitement doit durer? Hypertension artérielle, 30 jours. Gastrite, 10 jours. Diabète, 30 jours. Constipation, 10 jours. Tuberculose, 90 jours. Ce serait mieux si boire de l'eau devient votre habitude de vie. De cette façon, vous serez en meilleure santé et plein d'énergie. Merci. Et n'oubliez pas de s'abonner avec nous.